Bonjour, bonsoir YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo découverte d'une démo, comme d'habitude. Et ce soir, on passe à l'heureux parce qu'on est le mois de novembre et on a raté Halloween pour y jouer. Ma faute. Donc ce soir, on part sur Fear the Time Loop, un jeu développé et édité par Taco Eaters. Et le jeu a un concept assez particulier parce qu'en fait, c'est un boucle de gameplay de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, votre perso meurt. Et donc, vous devez essayer de trouver, résoudre les énigmes et échapper à la boucle temporelle. C'est un jeu d'horreur, j'ai l'impression qu'il y a des zombies, du psychologique et tout, donc parfait pour être quelqu'un en bonne santé mentale, de se faire un peu peur. Bien sûr, nous sommes accompagnés de notre sans peur, Pepper, pour nous motiver. Bravo ma fifi, je t'aime. Tu m'aimes-tu? Oui, tu m'aimes-tu. Je t'aime, papounet, t'inquiète pas, je suis la plus courageuse. Choisis la difficulté, on va y aller en standard. Le jeu, la démo propose les deux premiers chapitres du jeu, donc on va essayer. Le jeu, je crois, sort en début. C'est-tu début 2025? Ouah, me lèche pas, you. James Cooper, you are found innocent. A serial killer continues to terrorize the town. And sources say the sheriff initially downplayed the danger. Je m'excuse, j'avais totalement oublié de mettre le son du jeu. Donc c'est pas grave, vous avez pu voir une petite cinématique. Donc avant propos, lors de l'enquête sur les crimes d'un tueur en série, le shérif James Cooper perd soudain connaissance. Lorsqu'il se réveille, il se trouve dans un bâtiment inconnu. Et avec horreur se rend compte qu'il ne lui reste que 15 minutes à vivre. Mais le plus étrange commence quand ce temps s'écoule. Cooper est ramené au même point de départ, forcé de revivre ce cycle terrifiant encore et encore. La seule personne qu'il peut contacter dans ce piège temporel est sa partenaire, la shérif adjointe Ross Waters. Pour elle, le temps s'écoule normalement. Elle n'est pas affectée par la boucle temporelle. Elle devient le seul lien de Cooper avec la réalité, un phare dans le chaos où tout s'effondre et se répète autour de lui. Donc en gros, si je comprends bien d'après ce texte, c'est le texte d'avant-propos d'exposition. J'imagine qu'on a dans le vrai jeu, il y aura une scène d'intro pour ça. En tout cas, je l'espère. Donc en gros, notre shérif adjoint, elle, le temps passe normalement, donc elle nous entend mourir tous les 15 minutes, et c'est ça qui va permettre d'avoir les liens pour les indices qu'on avait déjà faits, je pense. Donc on est parti. Donc nous jouons directement notre cher shérif. Chapitre 1, bâtiment inconnu. Vous avez 15 minutes à vivre. Donc le jeu niveau graphique, ben c'est correct, c'est bon. On a de jouer les graphiques, c'est pas ce que je trouve le plus important. Non. On a disparu en 2 semaines. Ok. Tant qu'il n'y a pas confiance de dialogue, on peut pas faire autre chose. Ok, il n'a pas compris. Ça, c'est pour se mentir. Donc là, ça fait 2 jours qu'on est là. Il faut un code qu'on n'a pas. Ah, c'est le déverrouiller, j'imagine. Donc on peut aller dans ces deux salles. Caméra, j'ai son caméra un peu retravaillée.
Détermine la station du code de sécurité à l'entrée et à la sortie de la morgue. Il bug parfois un peu, mais ne t'inquiète pas. Mike et moi, on vérifierons tout ça à nouveau bientôt. En attendant, sois prêt à entrer la même code plusieurs fois de suite à l'occasion. J'ai laissé le code avec le docteur Bennett. Donc, demande-lui si tu as besoin de rentrer. Si quelque chose ne va pas, ou si tu as des questions, contacte-moi et on regarde ça. Écrit avec du sang, n'ouvre jamais cette foutue porte de la morgue. Ok. Clé verrouillée de l'accès à sa cage. Ok, on va ramasser la clé. Donc là, on a notre inventaire. Ah, on a donc une map ici. Couvrant la morgue. Là, il nous a dit pas d'ouvrir encore. Docteur Bennett est là, salon du personnel, chambre froide, on avait peut-être la clé. Donc techniquement, la clé va nous permettre d'aller ici. Et chez Docteur Bennett, ça devrait nous pouvoir permettre d'avoir les infos qui manquent pour le code. Remarque qu'on ne peut pas fermer la porte. Une bande. De temps en temps, vous trouvez des articles divers articles de soins. L'un d'entre eux est le bandage. Le niveau de bandage. Le bandage rétablit votre niveau de santé, mais pas votre vie, votre espérance de vie. Ok. On a toujours 15 minutes pour vivre. Ah ben, c'est la marque qu'on avait déjà, ça c'est plate par exemple. C'est déjà une mécanique qu'on avait. Bonjour, Dr. Bennett. Je vous laisse la clé d'accès pour la porte de la banque. Le bureau de code peut parfois dysfonctionner. Dans ce cas, n'hésitez pas à me rappeler. J'espère que nous pourrions tout réparer bientôt afin de ne plus besoin à vous occuper de cette serrure. Au fait, vous avez trouvé le voleur responsable de la disparition des fournitures médicales et de la nourriture dans le stockage? Je comprends que cela ne me regarde pas, mais l'administrateur n'a rien dit. Et je n'ai personne d'autre à qui me poser la question, quoi qu'il en soit. Je ne vais pas vous embêter avec des questions inutiles. Si quelque chose survient, n'hésitez pas à m'appeler. Donc c'est 23508. 23508. Donc on va retenir ça. On va essayer de retenir ça. 23508. Ça, je peux pas ouvrir. Un fin clic, on n'a pas. Ça va se fermer. Deux, trois, cinq, zéro, huit, cinq, c'est ça? Ah, clear. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a dit inventaire? 2, 3, 5, 0, 8, 1, ok. Ok, donc. Le shérif m'a récemment rendu visite avec un patient pour un contrôle et dans sa hâte, il semble avoir laissé quelque chose d'important derrière lui. J'ai trouvé dans l'une des chambres que j'ai décidé de le remettre dans un casier avec un verrou à combinaison afin qu'il ne perde pas ou ne tombe pas dans les mauvaises mains. La combinaison est 30 à gauche, 10 à droite, 20 à gauche. Ce n'est pas un petit jeu, un petit objet vu son apparence. C'est quelque chose d'important pour le travail du shérif. Donc je ne voulais pas le laisser à la vue de tous. L'objet sera gardé dans mon casier. Dans mon casier, jusqu'à ce qu'il revienne le chercher. Nous l'avons déjà informé, mais sachant à quel point il est occupé, cela pourrait prendre un certain temps. Si quelqu'un demande hein, ou essaie d'accéder au casier sans autorisation, ne le remettez absolument pas. Il doit attendre le shérif lui-même, et c'est le seul qui a le droit de le récupérer. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Ok, c'est quoi? Yeah, it's about me. It's about you, guy. Amène une lampe torche, hein. Oh, comme ça, James. Il me parle. Oh là, excusez. James. Minute, minute, minute. Ouh!
Ok. Alors, il y a une porte ici. Moi, si je me sens mal. Non, ça c'est bien. L'enfer est le lieu réservé aux personnes avec les pires réputations, qui en deviennent les habitants éternels, ainsi qu'aux démons qui en sont résidence natif. Mon père m'a dit que l'enfer est comme la terre, mais destiné à des êtres tels que les démons et les diables. Autrefois, tout comme notre planète, l'enfer était peuplé par une grande variété d'êtres de genre, d'espèces différentes. Cependant, ils n'ont pas pu s'adapter au climat et ont péri, laissant leurs âmes se réincarner en démons. Ok, c'est cool. C'est motivant. Une autre raison de l'extinction d'autres espèces était la réserve limitée de squelettes humains. Hein? Ce qui empêchait les démons de créer des excroissances sur leur corps nécessaires à la reproduction. Ok, ben les mecs, il fallait des squelettes humains. Ok. Équipé. Assigné. Ok. La musique augmente votre son, à la fois votre santé et votre durée de vie. Chaque tour de soin prolonge de 7 minutes. Son espérance de vie est déjà sous maximum. L'espérance de soin ne sera. Ok. Ah, mon espérance de vie, c'est la barre rouge en gros. Ok. Bon, on est correct. Par contre, je sais pas comment faire la touche rapide, c'est quoi? Minutes à vivre, ça donne envie. On est où la map? On est dans le parking. Normalement, il m'avait dit que c'était ce cache de matière dangereuse, chambre froide, salle. C'est qu'attends. À propos du casier, j'ai trouvé le bureau comme ils ont. En fait, j'ai eu à propos du casier récemment le contrôle, quelque chose. Attends, c'est dans le casier. C'est où le casier? Salle d'entrée, celle-là peut-être? Non, j'ai plusieurs étages. Ah, j'ai pas. AWC, couloir, étage 1, étage 2, étage 1. Donc, on va aller par là du coup. Sacré parking, hein? Map. Pas du tout où je suis. Ah, c'est W pour enjamber. Ah, c'est avancé quoi en gros. Je sais pas, mais il y en a mort. Munition pistolet, mais pas pistolet. Je me casse, hein. Une minute là. Ouh. Ok. Ah, c'est beau ça. Monsieur, ils vous ont bien mis des bougies partout, hein? Bracelet de santé. Le bracelet de santé affiche l'état actuel de votre durée de vie et le temps qui vous reste jusqu'à l'épuisement. Cela affiche également les santé. Ok. Ah, record de une clé, merde. J'ai pas envie de wait, hein. Laisse-le aller.
Alors, il a dit 30 à gauche. Non, attends, c'est pas ça que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'il disait le monsieur à propos du casier? 30 à gauche, 10 à droite, 20 à gauche. Ok. Ah, du coup, je sais plus là. 30 à gauche. Non, 30 à gauche. 10 à droite. Non. Me trompe, attends. 30 à gauche. 30 à gauche. 10. J'ai suis trompé. La combinaison, 30 à gauche, 10 à droite, 20 à gauche. Ok. Gauche. C'est pas ça, semble-t-il. 10. Est-ce qu'on tourne à gauche? On va essayer de ça. 20 mètres trop tard, c'est mort. Non, hein. Je suis trompé. C'est pas ça, donc. Ok. C'est tout? Y a même pas de flingue encore. C'est bien de me donner un flingue d'abord. Il y a 7 minutes à vivre. La clé? Ça marche pas la clé, la pièce, semble-t-il. La pièce ne suffit pas. C'est barré. Je veux me casser, moi, c'est sûr. Arrêtez de plus m'appeler, madame. Je suis occupé. Donnez-moi le flingue aussi, s'il vous plaît. Salle sécurisée. Ici, votre degré ne diminue pas. Si elle atteint le niveau critique, elle se rétablit automatiquement jusqu'à un certain point. Vous pouvez stocker des objets inutiles dans les boîtes de stockage. Elles peuvent être récupérées à partir de n'importe quel autre coffre face à la raison de TV. Si vous pouvez utiliser un dispositif spécial. Cette vidéo, donc. Ok. Alors, après la mort, une personne est face au grand juge. Au grand jugement. Dans les détails, ne me permet. Dont les détails ne me sont pas permis de dévoiler au lecteur. Cependant, pour comprendre les principes de base, je dois expliquer quelque chose. Le grand jugement détermine dans quel nombre une personne sera envoyée, dans quel monde une personne sera envoyée. Lorsque personne n'est envoyé en enfer, les démons reçoivent des informations sur leur péché, sur le pécheur et leur péché, ce qui dicte ensuite leur punition appropriée. Dans la fumerie travaillent les démons qui étaient destinés à ce rôle depuis leur naissance. La fumerie est un lieu crucial pour les démons car l'un de leurs principes interdit l'utilisation d'autres démons pour leur production. Ok, bah c'est fun, on apprend que les démons. Pièce. Ça fait quoi ça? Ok, on a une pièce traitée. Des munitions. On n'a pas trouvé de cassette. Donc on peut laisser ça faire. On n'a pas trouvé de cassette. Là, on met ça. On peut stocker des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut stocker? Un bracelet de santé. Munitions pistolet. Bon, on va mettre ça là. Déplacer. Un fusil. Bah, déplacer aussi. On n'a pas de pistolet. Donc, on va le déplacer ça aussi. On va garder juste les trucs. Mais on va mourir la première run. On va pas garder grand-chose. Hein, juste la lampe blanche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une cassette finalement. Vous pouvez sauvegarder votre progression dans la chambre forte à l'aide des cassettes vidéo que vous trouvez. Chaque cassette vidéo vous permettra de visionner une vidéo unique après l'avoir sauvegardée. À chaque sauvegarde, la structure de l'hôpital peut changer et les ennemis deviennent plus dangereux. Ah ok, ça c'est une mécanique assez intéressante. Ça signifie que si à chaque fois plus tu sauvegardes, plus les ennemis peuvent devenir dangereux. Donc en gros, au lieu de donner très peu de choix de sauvegarde, en fait, il nous permet tout simplement de rendre les ennemis plus compliqués.
Et essayer de sauvegarder le jeu quand même. Bon, je vais pas sauvegarder. C'est bon, j'ai sauvegardé là. Bon, si on perd, on va recommencer ici du coup. Map, on est où déjà? On n'est pas là. J'ai aucune donnée hein, du coup. On... Trouver le jouet. Ah, bah c'est là qu'il faut qu'on aille. Bon, on va faire une marche arrière du coup. Le marche arrière. On a oublié qu'il y avait le pistolet là-bas. Voilà que je passe. Hein. Excusez, hein, je me suis trompé. J'ai oublié mon flingue. On espère qu'il y a un flingue. Hein. On va dans 15 minutes. Hein. Bah, il ne doit pas rester moins de 15 minutes, je pense. Donc, map. Nous sommes dans le couloir, la morgue. Ah ben on sait pas le code en fait. Ah ben c'est ça. Attends, me dis pas qu'il fallait la pièce. On n'est pas d'info assez plate, on n'a pas ce qu'il faut en fait. Je suis con, je suis venu ici pour rien. Fuck. La chambre froide. On pouvait pas y aller. Hein. Ici c'est pas la chambre froide. On est déjà allé. Un plus. Bah, il me demande de quoi qu'on n'a pas. Oh, revenu si mais pas pour ça, il n'y avait pas d'objet. De toute façon, il nous manquait clairement des choses. Hein. Donc là, je suis ici. Stockage médical, stockage de matière pose. On peut pas y aller. Là. Parking. Donc on n'a pas allé là. On n'est pas allé là de ce côté. Ah bah parce qu'on pouvait pas en fait, tout simplement. Room, on était déjà allé. Il y a plus de rester beaucoup grand monde pour survivre. Demain, comment on va mourir? Ça pourrait être intéressant. Bon, clipper le. La mort, je vais sans doute sursauter. L'ambiance est bien, je vais le dire. On n'est pas encore venu ici. Donc là, on est dans le couloir. On voit l'ascenseur devant, ok. Et qui pleure là? Ah ok, là on est dans le... Attends. Ah, on est revenu ici? On est vraiment revenu ici? Je comprends pas là. On va pas, on est revenu ici. Escalier, donc encore c'est un gras quoi, 6 pour venir. Ok, on était au étage. Donc là, on va venir à 6 couloirs. Trouver un jouet. Quel jeu tu parles? D'accord, on est dans le couloir. En face, c'est l'escalier, c'est qu'on vient d'arriver. Donc, la salle des archives est devant. Là, on est. Le couloir, la cuisine l'avait faite, semble-t-il. Salle des voix. Ah, j'ai pas la clé. Ça marche pas avec la pièce. Alors, là on est déjà venu en fait.
Ça, c'est la cuisine, c'est la manger. Dossier à collectionner. Ah, qu'on a oublié un dossier ici. J'ai oublié un truc ici, semble-t-il. Ah, là-bas. C'est bien que je vais nous le dire. Il y a des soupirs, des lamentations et des grands gémissements résonnés à travers l'air des 100 étoiles. Douge. Douge. Ça se dit ça, douge? Douge au début pleurait à cause de cela. Des langues diverses, des dialectes horribles, des accents de colère, des mots d'angoisse et des voix hautes et rauques avec le bruit des mains. L'enfer, canto 4 ou 6. Alors, on a pris le dossier, donc ici c'est fait. Ok, tout est fait. Techniquement, si je passe par la CWC, mais on n'a pas été capable. On est à des archives, c'est bon. L'escalier est fait. On n'avait pas. Il y a un dossier au bout du couloir qu'on n'a pas pris quoi. Il est gentil de nous montrer, hein. Et on va pas tarder à mourir, hein. Donc là, je suis dans le couloir. Non. Faut que je traverse encore la porte ici. La clé? Non, ça sert à rien. Map. All the archives, là on est. On va se mettre par all the archives du coup. Et on avait de quoi de ce côté. Oh pas non. Are you injured? Can you get out of that room? Yes, just a moment. You know, I can't get out right now. You can't unlock the door? De qui parle, où est-ce qu'elle est? Oh, je peux pas demander du coup. Non, mais quoi? Madame, c'est moi qui parle. Hein. Je trouve de jouer. Ah, ça marche pas. Remettre c'est quoi mon bouton, pas le bouton d'action en fait. Et il disait pas le bouton de rapide, hein. Ah, j'ai trouvé, trop rapide, trop efficace. Madame, j'ai trouvé de nounours. On est boule du coup. Faut faire la zone verte. Ouvert. Non mais gentils, ils veulent pas de m'ouvrir ça facilement là. Ah non, t'as une cassette. On va pouvoir enregistrer quelque part à un moment. On va mourir avant, hein. Il me semble. Hein. Alors on a la zone verte. On est à côté. La salle d'examen. Moi je pense que deux sont fermés, hein. Ok. On a trouvé un nounours là. Ah, l'ingénieur. Oh, le pistolet. Bah, va mettre en haut. Hein. Sauf que je sais pas comment l'utiliser là. Ah, c'est ok, c'est 1, 2. J'en parle. Charmé et dangereux. Madame. Je peux pas avoir les deux. Donc là, c'est fait. Donc techniquement, il faudrait qu'on aille l'escalier et qu'on aille sauvegarder. Bon, l'escalier, c'est encore. Veuillez noter que plusieurs portes avec environ lumière côté reste se verrouiller en raison d'activation du système. Il s'agit d'une mesure de précaution visant à empêcher l'accès si peu ou plus de sortie temporaire pour que ça fasse un moment de. De manière, on se barre pas par là. Nous, ce qu'on veut, c'est l'escalier.
et on retourne sauvegarder. Ici. Ok, ça remonte notre truc. Oui, sauvegarder. Ah, la sauvegarde ne marche pas, j'ai l'impression. Bon, après, je vous dirai ce que j'ai un peu, hein. Bon, on a le flingue, ce qui est bien. Ah, il y a d'autres munitions. Munitions pistolet. Déplacer. Ok, ça me fait 13. Ça, regardez, du coup, on va prendre ça aussi, hein. Il me reste 10 minutes en gros. Oh, c'est fou, on a du temps. Donc, on a des clés de l'ingénieur. Ça se cache dangereuse. Clé de la salle des ingénieurs. Alors. Dans le sous-sol. Ok. Donc, on descend le sous-sol. On est là. Donc, la salle d'ingénieur. Entrée. Salle d'ingénieur. Ah, faut faire le tour pour y aller. Ok, faut que je passe l'étage 1. Faut qu'on traverse tout ici. Donc en gros, on monte, on traverse l'ancienne archive, la cuisine, on descend. Comme ça, on fait ça d'examen, couloir et on descend. Ça va être ça. Ça d'examen, couloir, on descend. Là, on est là. Ça d'examen qui doit être un peu plus loin ici. Non, c'est pas les examens, ça c'est. Bon, ça désigne rien, bien sûr. C'est un tour de l'ours. On le couloir là. Il y a un truc de soin. Là, c'est bon. Bon, on descend ici. Pas map non, on a un couloir techniquement je peux passer. Ah non, le couloir est barré, merde. Donc, faut que je passe par la cuisine en fait, la salle des archives. On descend l'escalier par là. Ok, bon, on est là, là. Du coup, on passe là. On est parking, l'escalier, couloir. Alors, on est revenu ici, là. On est un peu mal vu. Parce que là on retombe ici. On va tourner en rond là, c'est pas bon. Tu peux bien mourir, s'il te plaît. On peut peut-être un petit coup de soin. Couloir, donc l'entrée des ingénieurs. Ok, on est dans la salle d'ingénieurs. Les mecs, ils sont quand même résistants, hein. Clé des cases. Ok. Donc on est là. Lecteur de musique, on a oublié un lecteur de musique.
Avec quoi lecteur de musique? Si on voit des problèmes avec des sirènes électriques, les portes qui dysfonctionnent, vous devez redémarrer le système de sécurité. L'éteindre, c'est comme jouer avec le feu. Une mauvaise manipulation et le circuit risque de surcharger. Dans le meilleur cas, vous devez recommencer tout le processus. Première étape, tirer sur le levier principal, sinon simple, non. Mais c'est là que ça se complique. Les leviers auxiliaires doivent être activés dans un ordre strict. Si vous déviez de cet ordre, l'alimentation explosera. Si vous voyez l'aiguille du nanomètre sauter dans la zone rouge, lâchez le levier immédiatement. Ne risquez pas votre vie. On va commencer depuis le début. Une fois le système de sécurité redémarré, les portes avec des serrures électriques devraient de nouveau fonctionner. Bonne chance et n'oublie pas, même tu m'avais donné l'ordre là. Connard. Tu ne m'as pas donné l'ordre, pas en tout. Donc si je fais 1, je fais plutôt, non pas ça, c'est pas bon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Alors lui, il me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me donne 1, 2, 3, 4. Ok, on a marché. Non, ça marche pas. Donc on a réussi à redémarrer les trucs théoriquement. Ce qui est une bonne chose. Donc map, on est où? La salle, on a l'écran de musique, salle des chaudières, chambre froide, de tobinette. Est-ce qu'on va aller voir le coffre secret, tiens? Oui, je suis là. Yeah, Rose. I'm still trying to get out of here. You won't believe what happened. On peut passer là. Ça couloir mort. What do you mean? Ah quoi? Ah non. On a réussi à passer deux chapitres sans mourir une seule fois, ce qui est déjà bien. Ça va être ça. C'était la démo terminée. Donc le jeu a quand même du potentiel. Malheureusement, on n'a pas vu le gameplay de la boucle. Ça, ce qui est très très dommage. Mais il a beaucoup de potentiel quand même. L'ambiance est bien. L'énigme, c'est une normale. Donc je pense que c'est un bon petit Resident Evil-like qui va quand même plaire à des gens. Donc si vous avez aimé le jeu, bien sûr vous allez voir le lien vers la page Steam en dessous de cette VOD YouTube. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc nous sur là, on va continuer sur autre chose comme prévu. Et je vous souhaite une bonne journée YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous aimez ce que je fais pour ne rien manquer. Bye les amis.